présente Charlie. C'est un de nos pensionnaires qu'on a ici depuis septembre 2021. Fait que ça fait quand même un petit bout qu'il est là. Un mélange de pitbull puis de peut-être American Bully. Comme vous pouvez voir, c'est un chien très très gourmand. C'est un chien qui est aussi très très affectueux. Hein, Charlie? Viens. Il aime ça se faire gratter du fromage. Ça, c'est une de ses affaires préférées. Donc Charlie il a 9 ans, donc c'est un chien qui va demander juste un peu d'exercice à tous les jours. Là, t'sais, pas beaucoup, peut-être 30 minutes d'exercice par jour, puis c'est un vieux chien. Mais il aime quand même ça jouer avec les balles puis tout, fait que il aime ça se faire lancer la balle ou n'importe quoi d'autre, ou se faire jouer au tog avec une corde. Mais c'est ça, c'est un chien très très calme, très très affectueux, il est très propre même ici dans sa cage. Charlie est très bon pour marcher en laisse, très écoutant. Il est vraiment gourmand, donc ça va être facile de l'entraîner avec des gâteries. Là. Hey, garçon, assis. Assis. Donc, le milieu idéal pour Charlie, ce serait n'importe quelle famille, des jeunes de n'importe quel âge, dans le fond, qui veulent un vieux chien calme. Charlie, il a toutes les qualités d'un excellent chien de famille. Il est très bon avec les enfants. Peut-être pas les enfants très très jeunes, là, comme les bébés, mais quand même des jeunes enfants, là, je dirais peut-être 8 ans et plus. Là. Donc, une autre des caractéristiques de Charlie, c'est qu'il fait de la prédation envers les petits animaux. Donc, c'est préférable qu'il vive dans une maison où il n'y a pas de petits animaux. Donc, pas de lapins, pas de chats, pas de petits chiens.